Alors bonjour, mon nom est Marc Pagé, je suis résident de Tadoussac depuis maintenant près de 27 ans. Je suis retraité de Parc Canada, parce qu'ici on a le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent. Et j'ai une formation en géographie, et passé une partie importante de ma vie dans les lieux de conservation. Depuis que je suis retraité, je sers de guide plusieurs fois par année pour des visiteurs, des gens qui viennent en paquebot, des autobus. Et quelquefois aussi des petites conférences. Et j'ai développé un intérêt pour l'histoire de la municipalité. C'est quand même le premier lieu de colonisation en Amérique par les Français. En 1600, l'endroit où on est ici, c'est une reproduction du premier poste de traite qu'on appelait le poste de traite Chauvin. C'est une reproduction qui a été bâtie en 1942 par le propriétaire de l'hôtel Tadoussac de l'époque. C'était M. William Coverdale, qui était président de la Canada Steamship Lines. Et ici, c'est l'endroit où M. Chauvin, première tentative, il avait laissé 15-16 hommes passer un premier hiver, première tentative de colonisation. Et évidemment, il n'était pas préparé du tout à l'hiver. À l'époque, c'était plus froid encore que maintenant. Et les gens sont presque tous morts. Il y en a 5 qui ont survécu grâce à l'aide des Autochtones des Premières Nations. Ils les appelaient les Montagnais dans ce temps-là. Parce que c'est principalement le scorbut qu'ils ont emporté, mais il y a eu aussi des dissensions, des chicanes. Puis quand ils sont revenus au printemps, bien, il en restait 5. Mais c'est quand même le premier poste de traite officiel. Et la traite des fourrures en Nouvelle-France, c'est vraiment, vraiment ce qui a été le moteur du développement économique de l'époque. Faut un peu, on dit souvent en farce que Tadoussac, dans les années 1630, c'était le centre du monde, parce que c'était ici que les plus belles fourrures partaient. Parce qu'au début, les Européens, ils montaient pas beaucoup plus loin. Ils venaient arrêter ici, les navires étaient peu manœuvriers. Il y avait énormément de courant dans le Saint-Laurent, c'était des eaux très froides, des brouillards fréquents, des hauts fonds. C'était extrêmement difficile, puis les bateaux marchaient seulement qu'au vent portant. Alors, rendu à Tadoussac, c'était l'arrivée. On s'ancrait dans une baie qui était souvent un petit peu plus haut que Tadoussac, la baie du Moulin-Baude, et on mettait des grosses barques à l'eau qui pouvaient marcher à rame et à voile aussi. Et là, on partait. Puis quand les Français sont arrivés, évidemment, bien avant les Français, il y avait des Européens qui venaient ici. On a eu des Portugais, des Basques qui venaient sur les grands bancs de Terre-Neuve pêcher la morue. Il y avait très, très grosses morues à l'époque. On disait qu'ils marchaient sur les morues de 80 livres, c'était courant. Et ils ont été attirés par les baleines. Les Basques étaient des grands chasseurs de baleines. Et ici, dans le Saint-Laurent, il y avait ce qu'on appelait la baleine franche, en anglais, de right whale. Ils l'appelaient comme ça parce qu'elle était la bonne. C'était une qui était les plus faciles à poursuivre avec les barques, les chaloupas qu'on appelait, que les Basques transportaient aussi. C'est un peu le canot qui est à l'origine de tous les canots à rames et qui peuvent avoir également une voile. Et ça servait pour la chasse à la baleine. Puis tranquillement, pas vite, les Basques, les Portugais, c'était très, très grands navigateurs. Ils ont fait contact avec les Premières Nations, ce qu'on appelait les Indiens. Tout le monde pensait qu'on était aux Indes, un premier temps. Et on les a appelés les Montagnais. Leur vrai nom, c'est les Innus, qui veut dire les hommes. Et tranquillement, ils sont mis à faire le commerce, parce que les Premières Nations, c'était des grands commerçants. Eux autres naviguaient sur les cours d'eau, puis ils portageaient dans l'intérieur du territoire, ils marchaient. Quand ils avaient besoin d'un canot, ils construisaient. Il y avait différents types de grosseurs d'embarcation, d'écorce, évidemment. Puis c'était des commerçants nés. Alors, ils sont mis à échanger des biens. Ce que les Européens avaient, que les Autochtones n'avaient pas, que les Premières Nations, c'était le fer. Dans le langage des Montagnais, des Innus, on les appelait les hommes de fer à cause des armures, des épées. Alors, tranquillement, ils se sont mis à réaliser qu'il y avait des objets qui les aideraient beaucoup, beaucoup pour leur vie de tous les jours. Parce qu'ils faisaient des barricades de pieux pour se protéger aussi, les bourgades. Et avec des haches de pierre, il y a des études qui ont été faites par des anthropologues. Ça prenait 7 fois moins de temps de couper les arbres puis les aiguiser pour faire la barricade autour du campement amérindien qu'avec des haches de pierre. Après ça, c'était les fusils, évidemment, pour la chasse. Alors, quand les Européens sont vraiment installés, les Français, le roi de France, au début, c'était le roi Henri IV qui a envoyé le sieur Gravé Dupont, qui est un grand capitaine qui est venu plusieurs fois ici. Puis en 1603, il a demandé d'amener Samuel de Champlain. Champlain, c'est un militaire de carrière, c'est un grand navigateur aussi. Il avait travaillé pour le roi Henri IV en Amérique du Sud. Il avait un peu espionné les Espagnols. Puis eux autres, les Espagnols, bien, ils avaient pogné le gros lot, hein? L'or, l'argent.
Puis quand les Français sont arrivés ici, ils pensaient qu'il y avait des richesses aussi. Parce que les Premières Nations leur parlaient, les Indiens leur parlaient qu'en haut du Saguenay, c'était un royaume qui avait donc des richesses. Mais ils se sont rendus compte après quelques années qu'il n'y en avait pas d'or, il n'y avait pas d'argent tant que ça. Mais que les fourrures, ça valait très, très cher. D'où vient le nom du village de Tadoussac? En fait, Tadoussac tire son nom d'un toponyme de langue inoue, Tutushat, qui signifie tout simplement les mamelons. Pourquoi les mamelons? Ben, c'est que quand on est face au village, sur le Saint-Laurent, on aperçoit deux collines un peu à l'ouest de la plage qui rappellent étonnamment là, les mamelons de la femme. Donc, le toponyme tire son nom de cette curiosité naturelle-là. Alors, évidemment, on parlait de la première époque de l'histoire économique du village de Tadoussac. Et c'est la deuxième époque de l'histoire du village, de l'histoire économique. C'est l'exploitation forestière. Et c'est incroyable les quantités de bois qui ont pu être retirées des forêts ici. On bûchait l'hiver, on sortait ça avec des chevaux. Il y avait des pins géants, j'en ai déjà trouvé dans le bois quand je travaillais pour le parc du Saguenay. Des arbres énormes, énormes, c'était toute beauté. Et ils mettaient ça sur la glace. Aussitôt que les bateaux à vapeur sont arrivés, ils sont mis à tirer les trains de bois pour pouvoir les scier. Et expédaient ça sur des navires à voile, mais au long cours, qui repartaient en Europe avec ça. Et Price, le deuxième du nom, tranquillement pas vite, s'est rendu compte qu'il y avait des grandes richesses ici. Les rivières à saumon, la chasse, l'orignal. Alors, il a décidé de partir une compagnie touristique, une compagnie de navigation. Ils ont bâti un premier hôtel en 1867, le premier hôtel Tadoussac. Ça s'appelait, je pense, la Tadoussac Bathing Co. Il y avait même une piscine à l'eau de mer chauffée. Et tranquillement, le tourisme s'est développé. La petite chapelle avait été pas mal abandonnée. Elle est entretenue par les Price quand même. Elle est devenue une attraction touristique. Et à partir de 1855, le gouverneur de l'époque, Lord Dufferin, la terrasse du Franc-Québec, ça vient de lui, il est venu ici en vacances, il descendait avec des bateaux à vapeur. Et il arrivait avec les charrettes. Il s'installait. Ils restaient à l'hôtel, mais tranquillement, ils se sont mis à bâtir des cottages d'été, des riches familles. Dans ce temps-là, c'était à la Révolution industrielle, tout marchait au charbon, très mauvaise qualité. Les villes étaient extrêmement polluées. New York, Montréal, Pittsburgh, c'était très, très, très difficile. Alors, les gens riches quittaient la ville l'été et venaient passer des vacances près du fleuve. Il n'y avait pas seulement Tadoussac, Saint-Siméon, le Bic, les deux côtés du Saint-Laurent. C'était très, très, très populaire. Mais ici, ça a survécu longtemps. On a encore tous les cottages que les Anglo-Saxons ont bâtis, les Américains, ils se transmettent ça de famille en famille. Ce qui fait que la troisième époque de l'histoire du village, c'est le tourisme. Et maintenant, on en reçoit 300 000 par année à Tadoussac. À l'époque, il y avait déjà des baleines, évidemment. Il y en avait probablement beaucoup plus que maintenant. Mais on venait pour d'autres activités. C'était le grand air, c'était, comme j'ai dit, la piscine chauffée, la plage. On ne pouvait pas trop se baigner parce que l'eau est extrêmement froide ici, en raison des remontées d'eau froide. C'est pour ça qu'il y a tant de baleines et de vie marine aussi. Alors, tranquillement, on avait besoin de gens pour servir ces gens-là. Comme on avait eu besoin de gens pour opérer les moulins ici, bien, le village s'est agrandi. Il était venu des familles canadiennes françaises. Ils servaient à l'hôtel, ils travaillaient sur les bateaux. Il y avait toujours encore des moulins, évidemment, des moulins de papier aussi. Et ce qui fait que progressivement, bien, le village s'est installé, s'est établi définitivement. Les bâtiments d'importance, il reste encore plusieurs bâtiments très anciens. Évidemment, il y a l'hôtel, le premier 1866. Il a été démoli durant la Deuxième Guerre mondiale, rebâti par justement M. Coverdale en 1942, le même qui a bâti le poste de traite. Et on a la petite chapelle des Indiens, qui est un site reconnu par le gouvernement du Québec depuis 1965, bien culturel. C'est un musée, comme ici d'ailleurs, le poste Chauvin. La chapelle a été bâtie entre 1747 et 1750. Les Jésuites, c'était un Jésuite qui était ici résident. Il se promenait autour du territoire, mais il a réussi à avoir un budget du gouverneur de l'époque, français, pour bâtir une chapelle. On l'appelait la chapelle des Indiens. On dit que c'est la plus vieille chapelle de bois dans l'Est de l'Amérique du Nord. Ça fait partie du cachet de Tadoussac,
de voir la chapelle rouge et blanche, l'hôtel rouge et blanc, les bâtiments très anciens. Les gens d'ici, évidemment, les Indiens ont toujours eu des légendes. Hein. Il y avait des croyances comme dans le Saguenay, Sakini, Saguenay, en langage amérindien, ça voulait dire, semblerait-il, rivière des diables, mais eux autres appellent ça des Manitou. Puis parce que le Saguenay, c'est évidemment, c'est avant, bien avant qu'il y ait les barrages. Et il y avait toutes sortes de légendes, comme de quoi que le fils d'un chef indien dans son canot géant voulu monter la rivière Saguenay, les eaux sont devenues extrêmement tumultueuses. Il est sorti un Manitou, un démon des profondeurs, parce que c'était insondable à l'époque pour eux autres. Il y a 1000 pieds d'eau dans le Saguenay, 278 mètres au plus profond. C'est une ancienne vallée glaciaire, c'est très ancien, tout ça. Et ce chef-là se serait battu avec le Manitou. Il l'aurait pris par la queue, c'est un genre de serpent avec une queue, un genre de dragon. Il aurait tapé trois fois sur le Cap Trinité, d'où les trois paliers, sur lesquels, le plus bas, on a installé une statue de la Vierge en 1881. C'est un voyageur de commerce qui avait failli se noyer l'hiver en traversant le Saguenay, plus haut sur le pont de glace. Il a failli mourir d'une consomption, d'une pneumonie, puis sur son lit de mort, il a imploré la Vierge de le sauver, puis il a dit « Si vous me sauvez, je vais aller vous bâtir une statue sur le Cap à Chicoutimi. » Mais l'évêque de l'époque, il y avait déjà un évêque à Chicoutimi, Mgr Dominique Racine, le premier, il a dit « Ta statue, tu vas aller bâtir sur le Cap Trinité. » Parce que les bateaux, ils passent, ils tournent en avant, puis ça va les inciter à être religieux, à honorer la Sainte Vierge. Fait qu'il a fait bâtir, sculpter une statue par un sculpteur Jobin de la Rive-Sud, en pin. Ils l'ont tiré en plusieurs morceaux avec des barques. Ils ont été obligés de la scier pour la monter au Cap Trinité. Puis progressivement, ils ont fait une base en béton. Elle mesure quand même 31 pieds de long, plus que ça avec la base. Ils l'ont recouvert de feuilles de plomb. C'est la Société historique du Saguenay qui s'en occupe, qui la possède et qui la gère à l'intérieur même du parc du Saguenay. Maintenant, Tadoussac. Bien, la réputation de Tadoussac comme carrefour touristique n'est plus à faire. Hein. Déjà, dans les années 20-30, il y a des bateaux de croisière qui s'arrêtaient à Tadoussac. Et puis déjà, depuis plusieurs décennies, c'est un lieu célèbre, entre autres, comme point de départ pour les observations de baleines de mammifères marins. Tadoussac se démarque depuis plusieurs années aussi par son festival de la chanson au mois de juin. Et c'est vraiment un des lieux du tourisme nord-côtier les plus célèbres. La population du village est estimée à 820 habitants permanents. Évidemment, on a une certaine population qui ne vient que l'été, les gens qui ont hérité des cottages, des gens même qui ont des maisons encore ou qui ont hérité de leur famille, mais qui ne viennent que, qui sont retraités ou qui travaillent dans les grandes villes puis qui viennent passer quelques mois l'été ici. On parle de 820. Avec tous les visiteurs qui arrivent, à un moment donné, on parle de plusieurs milliers en même temps. Là. Alors, c'est très achalandé. Avec 300 000 visiteurs par année répartis sur environ 6 mois, ça fait beaucoup de monde dans les rues, sur les promenades.